Allez. Ah, c'est vrai qu'il en a plusieurs à son registre. Alors on ne sait pas hein, si il a bluffé Benama ou pas, mais il lui a dit allez, on va dans le 8ème, on est dans la 9ème reprise. Et on va écouter avec Souria et Mouti ce qui s'est dit dans le coin thaïlandais. C'est pas dit grand chose, très peu de consignes parce qu'on est confiant. Donc on cherche surtout à récupérer. Le boxeur Somsak a besoin de récupérer pour l'instant. Très peu de consignes. Ah, c'est sûr qu'il est dans le rouge, ça fait un moment. Et les supercutes qui reviennent. Comme au plus beau jour du premier round du côté thaïlandais. C'est il est ouvert. Il est ouvert Maillard. Ah ben au niveau de l'arcade droite. Et le crochet droit de la part de Zixer Chawal. Oh, Maillard ne peut plus faire l'erreur. Montez les mains Maillard. Là c'est le Thaïlandais qui est en train de partir dans cette 9ème reprise. Et c'est hallucinant. Incroyable. Maillard, montez les mains. Quelle fierté. Ils vont aller plus que toute leur mère. Oh là là, Jean-Claude, on a plus. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Il faut pas accepter de prendre des coups comme ça. Oh là là, il tient plus debout, Maillard. Maillard est sur les jambes. Les monte les bras. Une minute 35. Oh là là. Une minute 30 déjà de furie, de folie. Alors qu'il est en avance dans ce combat, mais c'est Zixer Chawal qui rompt maintenant. Il n'a plus la force de frapper. Retournement de situation. Tous les ingrédients étaient là pour ce combat. On vous avait prévenu que ça allait être un moment pas comme les autres. Eh bien, je crois que vous êtes gâtés. On est gâtés. Et par contre, eux, on va se récupérer. Et quand on disait juste avant que le Thaïlandais Jean-Claude, on se rappelle, juste avant qu'il ne monte sur le ring, on disait ce combat va être certainement beaucoup plus dur que prévu. On s'est pas tombé. Non, c'était le faible même. Le mot était faible. Oh oui. Oh là là là. On ne peut pas en faire tous les jours des combats comme ça parce que là, c'est vraiment dur. C'est vraiment physiquement. Il faudra des moments, des longs mois de récupération. Oh! Oh là là, attention au supercut! Oh, il est épuisé aussi, Maillard. Il est épuisé aussi. On le serait à moins. Allez, ils vont repartir tous les deux. Allez, c'est son. On croit que c'est fini, ça recommence. Et la fin de cette 9ème reprise dans une superbe soirée ici. Allez, un petit coup d'œil de Maillard, mon Chipour. Grande soirée boxe, on a eu Lamar, Myriam Lamar qui l'a emporté. Et on aura tout à l'heure jour de foot avec Lionel Rousseau. Vous restez avec nous. On a d'ailleurs encore vu les équipes de jour de foot qui partaient, notamment celle qui allait à trois Bordeaux avec Thierry Burgalière, Marc Pascal, Hervé Gauthier. Et notre ami Thomas Guichard, il nous avait dit ils ont parié dans la 9ème reprise. Moi aussi, mais pour l'instant, je ne sais pas. Bah écoutez. Et ça va se travailler avec ça, Maya. Avec ça, tu as ta tête au niveau de sa cage thoracique. Tu bloques et tu remises, Maya. Il n'y a que ce bras arrière. Allez, Maya. Maya, Maya, fais-moi ça, s'il te plaît. Maya. Donnez de l'eau, le pchit. Dosez, merde, le pchit. Maya. Pour ta femme, pour tes parents, pour toi-même. Allez, Maya. Fais-nous voir, Maya. Maya, tu peux nous le faire. Allez, Maya. Oui, tout le monde ici à Levallois, en France, derrière votre téléviseur, vous êtes forcément scotché face à cette dépense d'énergie, face à ce Maillard, mon Chipour, qui démontre ce soir qu'il est un géant. Et qu'il a face à lui quelqu'un qui est également un géant, parce qu'il faut être deux pour faire ce genre de combat. Un peu plus de précision, Maillard, si tu peux. Attention. Allez. Allez, forcément, il y a eu des conseils dans le coin thaïlandais, Souria.
Fonsac enchaîne tellement les coups que son entraîneur s'inquiète pour lui. Il lui demande, est-ce que tu prends le temps de respirer? Est-ce que tu respires entre chaque coup? La réponse, c'est non. Ah, c'est bien. Non, ce qu'il pourrait faire, c'est utiliser un peu plus, évidemment, ses jambes. Mais il est en retard. Si Kakawal, il est en retard, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse son front. Il faut qu'il essaie de gagner même maintenant. Avant la limite, il reste 3 rounds. Maya doit avoir 4 points d'avance à peu près. Maillard Manchipour, qui lors de ses 6 derniers championnats du monde, on l'a vu hein, dans le petit sujet, l'aigle Manchipour, eh bien, a toujours terminé avant la limite. Oh là là là. Oh, il n'en veut plus, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Et comme il ne mettra pas un genou à terre. Alors c'est l'arbitre qui arrêtera parce que s'il ne répond plus. Oh, il faut qu'il y ait une dizaine, une quinzaine de coups sans que le boxeur ne réponde pour que l'arbitre. Oh, attention Maillard, attention. Dans le regard du boxeur, sache s'il doit l'arrêter ou pas. Il n'est pas venu pour rien, hein, je crois, si Kakawal. Mais il doit pas revenir. Il doit pas en revenir, il n'en peut plus. Mais il reste toujours dangereux. Attention! Attention Maillard! Attention Maillard! Allez! Ouais! Et heureusement qu'il va en perdre parce que Maillard est à. Oh là, de droite, traqué! Maillard! Attention l'arbitre! Allez! Attention! Non! Non! Oh, il arrête! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est un non! 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 Maillard, qui avait été si grand! Et il n'y a pas cette règle! Il n'y a pas de. Tu comptes debout! Ouais, voilà! Il aurait fallu qu'il mette un genou à terre, mais il est trop fier pour cela. C'est incroyable. Et je crois que l'arbitre, par contre, a très très bien fait. Parce que même si Maillard me dit le contraire maintenant, il fallait arrêter. Maillard était dans le potage. Maillard ne voyait plus les coups. Ça fait rien. Ça fait rien, Maillard. Il est triste, mais c'est rien. Ils ont fait telle guerre. Mais l'arbitre, je trouve, a été très bon. Très, très bon. Voilà. Et avec le roi, Oumi Ball, qui est amené là avec un tableau. Allez, on écoute. Extraordinaire. C'est Kawal qui vient prendre des nouvelles de Maillard Manchipour. Quel guerrier. Les deux champions ont eu un comportement exemplaire. Mais que c'est dur la boxe. Que c'est dur sur toute cette façon-là. Et il était en avance. Il était en avance, Maillard. Oui, mais on va rien remettre en question. Ah, parce que la boxe, quand ça s'arrête et qu'on vous dit c'est terminé. Mais de cette façon-là, c'est dur la boxe, c'est très très dur. Et là c'est encore un peu plus dur parce que ils n'ont fait que ça, que de se frapper à toi, à moi, à toi, à moi. Maillard était en avance. Maillard n'a pas pêché par excès de confiance. On croyait chaque fois le Thaïlandais au bout du rouleau et d'un seul coup il retrouvait des ressources. Je ne sais pas où il allait chercher cette force et surprenait Maillard qui est en difficulté. Ça mérite une revanche, mais pas pour demain. Hein. Non, mais on parle du 2 décembre, grande soirée à Bercy. Et il va falloir récupérer. Oh oui. Quel combat, quel combat, quelle guerre. Mais quand on dit ça mérite une revanche, on en parlera tout à l'heure avec Maillard. Il dit depuis si longtemps.